joyeuses années! Bonne année à vous, et plein de bonheur, et plein de bonnes choses. Et plein de magie, et plein d'amour, et tout ce que vous voulez. Eh bien, pour commencer l'année, Brigitte et moi, nous allons vous présenter un effet qui vaut le détour. D'ailleurs, Brigitte, j'ai ramené un petit jeu de cartes. Oui. Pour pas changer. Oui, pourquoi tu rigoles? Bon, si. C'est vrai qu'elle commence à avoir l'habitude avec les cartes. Regarde, je te montre les faces. Est-ce que quelque chose te paraît bizarre? Non, un jeu de cartes ordinaire. Super. Tiens, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que par hasard, tu aurais une carte que tu aimes particulièrement dans un jeu? Oui. Alors, je te montre, je te défile. Le 5 de pique. Ah bah tiens ça, 5 de pique. Oui, ça surprend. Étonnant d'ailleurs, oui, tiens, parce que c'est, le pique c'est... Enfin, moi, oui, mais tu sais, on dit toujours, nouvelle année, nouveau changement. Ok, d'accord. Brigitte, en pleine puissance. moi, j'aime pas le pique. J'aime pas le pique. Non, par contre, moi, j'ai des cartes favorites. Ah ouais? Lesquelles? Ah, tu veux le savoir? Ah bah oui. Bah moi, j'aime les rois, mais particulièrement les rois rouges, l'amour. Et alors? Qu'est-ce que ça fait avec ma 5 de pique? Ben, c'est... Mon numéro de chance. Voilà. Ah, c'est ton numéro de chance en plus? Le 5. Ah, super. Eh ben, ça tombe bien. C'est peut-être ta chance aujourd'hui. Oui. Regarde. Le 5, on va le remettre. Tiens, tu reprends le 5, tu le reposes. Oui, comme ça? Non, face en bas. Face en bas? Oui, on remarque, t'as raison. On peut le laisser face en l'air vu qu'on l'a vu. Bah oui. Très bien. Non, je déconne. Je regarde. Le 5 de pique, il y est toujours. Tout à fait. Est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Que j'avais des cartes... préférées, et si je me souviens bien, c'était les rois de cœur. Les rois rouges. Oui, enfin, dans les rois de cœur, c'est les rois rouges, mais il y a aussi le roi de carreau. Oui, bien sûr. Regarde, figure-toi, c'est assez étrange. Parce que tu vois, il y a 5 de pique qui est face en l'air. Oui. On l'a laissé face en l'air, volontairement. Regarde, si j'ai cartes. Oui. Tu vas pas me croire. Entre le 5 de pique, il y a deux cartes. Le 5 de cœur. Le roi de cœur et le roi de cœur. Oh punaise! Ah, m'y attendais pas. Pas mal, ça t'a plu? Ah ben c'était bien, oui. Ouais. Surprenant. Tu veux qu'on aille plus loin ou... Oui. Tu voudrais qu'on aille plus loin? Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Je pourrais imaginer. Quelque chose de vraiment surprenant pour la nouvelle année. Surprenant pour la nouvelle année. Oh bah là. Magique. Magique, c'est quand même magique, c'est bien ce que j'aime bien faire. Oui, mais tu peux faire encore plus fort. Ah d'accord, là, mais vraiment à compétition. T'es capable en plus. Hein. Bah garde le 5 de pique alors. Je te garde. Je vais. Ah, je sais, si, j'avais tout prévu. J'avais tout prévu à l'intérieur. Ce que tu vas faire, tu vas prendre des gommettes. Oui. Et. Tu en prends combien? Une? Une qui a une couleur très claire. Et un stylo. Je ne triche pas, tu vas signer. Bah non, d'ailleurs, j'ai vu la carte, je suis bête. On peut la mettre n'importe où. Ouais. Allez. Et tu signes ta carte. Comme ça, tout va bien. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est pas évident, hein, c'est tout petit. Ok, alors ce que je vais faire, je vais ouvrir le jeu. Oui. Et je vais remettre ta carte face en l'air, dans le jeu. D'accord. Regarde. Alors. Tu m'as dit que tu voulais un effet qui était magique? Oui, surprenant. Ok, c'est parti. On va essayer pour la nouvelle année. Ne clignez pas les yeux. Regarde, je remue. Et regarde, petit à petit, le jeu disparaît. Non. Pour laisser place, eh bien, à ta carte. Et à mon roi de cœur, à mon roi de carreau et à mon roi de cœur. Bah, il est passé où le jeu? Ah, j'avoue que là, tu as fait fort. Elle a voulu un effet magique. Ah bah oui, la disparition du jeu de cartes, tu m'y attendais pas du tout. Bah, bravo. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, c'est assez étrange. Ah bah moi je me pose toujours la question. Ouais mais alors le problème c'est que maintenant, qu'est-ce que je fais avec l'étui moi? Bah oui. Ouais, laisse tomber quoi, faut encore acheter un jeu bicycle. Bon bah écoutez. C'est pas grave. Écoutez mes amis, je vous souhaite un bon travail. Oui. Surtout en magie, parce que la nouvelle année, bah, eh bien, c'est là où on prend des bonnes résolutions. Et puis Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye! Bye bye!